Et bah bonjour à tous les amis, c'est Juliana et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réaction. Vous avez réussi à mettre du like, bon franchement c'était facile, donc voilà. Mais maintenant notre objectif ça sera 20 likes, voilà, bon c'est toujours aussi facile. Mais voilà, et les 20 likes ils vont servir à quoi? Ils vont servir parce que j'aimerais bien que vous mettez en commentaire des idées de vidéos. Des idées de vidéos qu'on pourrait faire avec Analove et Loven, ou même moi toute seule, ou avec Analove, ou avec Loven, enfin bref, ce que vous voulez. Voilà. Et si on atteint les 20 likes, on essayera de faire à peu près toutes vos idées, ok? Donc, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne de Loven. Bref, nous sommes. En train de regarder, enfin on va regarder The Amazing Digital Circus l'épisode 2. Donc du coup on a eu les 10 likes comme je vous ai dit. Et quand on a 10 likes, forcément ça fait le numéro, ça fait l'épisode 2. Bon allez, vous êtes prêts à regarder? C'est parti. Bienvenue à l'incroyable cirque numérique. Pomni. Y'a quelqu'un? Oula. Elle bug. Que notre nouvelle amie a déjà été corrompue. Eh ben, on dirait que certains sont plus fragiles que d'autres. Honnêtement, je me souviens même plus de son nom. Salut Pomni, bien dormi? T'es déjà debout? Prends ton temps si t'es pas prête. Te voilà! J'espère que ça va, je sais qu'hier c'était une sacrée expérience. Une expérience? Et t'en fais pas, je t'en veux pas de m'avoir abandonné pour essayer de partir. C'est totalement compréhensible, tu traversais une épreuve très difficile. Et c'est sans rancune. Tout va bien! Ok. Oh parce que... Hier, du coup... Bon, oublions tout ça, alors. Ah, regardez l'épisode. Kane a prévu une nouvelle aventure aujourd'hui, et vu ce qu'il nous a annoncé, je pense que ça va être assez amusant. Ok. L'aventure du jour s'appelle... Confusion au Canyon Confit. Eh oui, le royaume du Canyon Confit a été dépouillé de sa ressource la plus précieuse, le sirop d'érable. C'est à vous de retrouver ces vilains bandits et de les livrer à la plus sucrée des justices. Un royaume fait entièrement de sucre? Ça a l'air... collant. Oui, très collant, en effet. Ça a l'air... Bubble, ça se dit pas, ça. Non. Zubal, attends! J'essaye une nouvelle IA, cette fois. Ça devrait être 57 fois plus immersif. Oh, une nouvelle IA? Tu veux pas jouer avec la nouvelle IA, Zubette? Ouais... Non. Oh, ça a l'air marrant. Qu'est-ce que t'en penses, Pomni? Donc, toute notre existence ici se résume à faire du RP? Alors... Qu'est-ce que vous faites encore tout cela? Le royaume du Canyon Confit a besoin de... Bah, il stresse, Kane. Merci, mais j'essaye d'arrêter. J'ai les personnages d'IKEA, ces trucs-là.
N'importe quoi. Pourquoi il y aurait des personnages Ikea? On n'est pas Ikea aussi. Ici, on est dans un royaume de bonbons, mon dieu. Wow, Kinger, regarde ce château! Il est magnifique! Ils ont même des insectes en bonbons. C'est si joli! Oui, j'adore cet endroit! Regardez! C'est la princesse! Ah! Vous devez être les valeureux chevaliers envoyés par Dieu pour nous tirer de cet incident malheureux. C'est nous, madame. J'adore votre royaume, d'ailleurs. Trop mimi. Je vous apprécie déjà. Regarde, Pomni, on s'est déjà mis la princesse dans la poche. J'ai plus 50, t'as pas besoin de jouer, tata. J'imagine que vous connaissez déjà votre mission. Les malfrats qui nous ont attaqués possèdent un camion débridé. Donc nous avons pensé que pour les affronter, vous auriez besoin de votre propre camion de guerre. Ouh, la violence. On est supposé être à quelle époque déjà? Voici la clé pour rentrer au royaume quand vous aurez récupéré la marchandise. Ne la laissez pas tomber entre de mauvaises mains. Comptez sur moi, votre Altesse. Mais non! Appelez-moi Lou. Tranquillou, Lou. Je monte devant. Sérieux, c'est ça le klaxon? C'est nul. Gengar, tu conduis. Au revoir, chevalier. Nous avons foi en votre réussite. Tu crois que ta mère va s'en sortir si on ramène tout ça au village? Bien sûr que oui. Tout ce sirop pourrait sauver des tas de gens. On peut pas en être sûr tant qu'on sera pas au village. Mais c'est une battante. Elle m'a appris tout ce que je sais. En vrai, c'est pas vraiment méchant. Oh! Fini la détente, les gars. Ils ont envoyé quelqu'un à notre os. C'est sa mère, alors c'est pas vraiment méchant. Oui. Du coup, Gengel, quand on les aura rattrapés, je vais sauter, entrer dans le camion et tirer jusqu'à ce que leur mère ne puisse pas les reconnaître. Je crois que ça va à l'encontre d'une ou deux conventions. Et toi, tu vas à l'encontre de mes oreilles avec ton clapet. Fais ton taf de chauffeur. Bon, Pomni, il doit bien y avoir un moyen pour que tu puisses nous aider. Peut-être que quand on les aura rattrapés, tu... Il faut se montrer ferme. Comme ça. Jax! C'est parfait! Surtout, ne bouge pas, je vais chercher un truc! Jack, c'est qu'une... J'aurais juré qu'il y avait un bazooka par ici, mais... Ah, j'ai un mal fou à mettre la main dessus! Pomni, attrape! Ah, la voilà! Allez, Pomni, reste comme ça, je vais traverser sur toi! Je te demande pardon! Bah bravo, Pomni! Maintenant, j'ai plus de peau! Ah, je te tiens! Oh, mes bras sont trop courts. Ça sent pas bon. Voyons comment leur camion s'en tire sur ces rochers. Mes bras sont trop longs pour changer de mode. Oh, là on part. Hé, ruban, à l'abordage. Je suis pas sûre. T'es pas censée être soumise et malléable? Bouge-toi! Oh, ces imbéciles veulent vraiment pas lâcher l'affaire! Hé, hey, arrête de faire l'idiot et reviens par ici! Mon école! Est-ce que tout le monde va bien? Tu peux répéter la question? Je l'ai mal entendu à cause des couteaux. Hé, hey, Gengel, et si on les percutait? Quoi? Non, mais ça va pas la tête! Pomni, toujours là-bas! Fais-le, ça va être épique. Pourquoi il y a autant de couteaux là-dedans? Fais-le ou je parle à Rabiata de la figurine. Mais vous allez me tuer! Arrêtez! C'est des cinglés, ceux-là! S'ils veulent la guerre, ils vont l'avoir! Fini les camions tamponneurs! Je vais pouvoir tout dire à Rabiata, du coup! Quoi? T'es toujours là, toi? Les gars! Pomni, attrape! Kinger, cette corde, elle est attachée à quelque chose? Bonne question. Je vais voir. Ah!
Anna! Ok. Les gars, ça va? Vous allez bien? Eh oh! Il y a quelqu'un? C'est bizarre ça, c'est... Oh, c'est quoi? Eh mais ça c'est les trucs de Ikea qui étaient là-bas. Ah c'est... c'est parce que c'est un PNJ, c'est quand t'es créé, c'est ça? Enfin, je crois. Si tout va bien. Si j'ai bien compris. En plus c'est perturbant quand tu te vois. Ça doit faire trop bizarre. Là, il a changé de couleur. Peut-être parce qu'il a peur. On est où? C'est quoi tout ça? Je sais pas. On est quelque part sous la carte, je crois. La carte? Pourquoi toi et ton équipe, vous êtes pas là, hein? Je sais pas trop. Peut-être parce qu'on n'est pas des PNJ? Des PNJ? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que je suis? Où est maman? T'as une mère? Pourquoi elle est pas là avec tout le monde? Je me souviens même pas de son visage. Est-ce qu'elle a un visage? Est-ce que tout ça est réel? Ok, calme-toi. On va parler d'autre chose. Peut-être qu'il y a... un moyen de nous propulser assez haut pour retrouver les autres. Réponds-moi franchement. Qu'est-ce que je suis exactement? Oh, est-ce que tout le monde va bien? Non! Quelle horreur. Pauvre Pommy. J'espère qu'elle s'en sortira. Pauvre Pommy? Pauvre de nous, oui! Sans ce camion, on serait déjà devenus des chocolats de Pâques. Quel truc! Je ne crois pas mes yeux. Un délicieux présent tout droit sorti du château. Je ne vais pas me gêner. Oh, 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 du calme! On n'est pas comestibles, on n'est pas des bonbons, on n'est pas bons tout court! Vous allez faire une indigestion! Oh, vous n'êtes pas des bonbons? Je ne suis pas censé manger des choses qui ne sont pas au sucre. Désolé. Omni n'est jamais là pour les gros monstres gluants. Vous êtes qui, au juste? Je suis le Fudge. Je vivais jadis au sein du royaume, mais cette maudite princesse m'a banni parce que je ne pouvais pas m'arrêter de dévorer tous les délicieux villageois. Oh, ils étaient si succulents. Parfois, je les entends appeler mon nom. Mon Dieu, vous êtes un tueur en série. Est-ce un meurtre si c'est délicieux? Je vous donne 4 heures. Je suis absolument d'accord. Mais ça va pas à la tête! Tu veux pas me laisser faire? Tu convaincras personne avec tes cheveux en réglisse. Stop! Oh, c'est vrai que ça y ressemble. Stop! Mon cher monsieur Fudge, vous m'avez l'air honnête et doté d'objectifs fort louables. Oh non, il y a méprise. Si tu savais ce que je fais de mon temps libre, on t'en serait malade. Comme je le disais, sachez que je sais comment entrer dans l'enceinte du royaume si vous acceptez de nous aider en retour. Hé, hey, quand est-ce que... La ferme, tête de réglisse. Tiens, qu'est-ce que ça? Oh, vous devez être des experts dans l'art du crochetage. Venez me libérer de ma cage chocolatée. Exact.
Tout ce dont on a besoin, c'est que vous nous aidiez à livrer des truands à la justice. La grande faucheuse m'a fait un clin d'œil. Qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? Tu es toujours... Est-ce que ça va? Non. Est-ce que tu veux en parler? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux juste pas te laisser comme ça. Pourquoi? Ma vie n'a aucune importance. Je ne suis rien. Ma vie, mes souvenirs, mes amis. Rien n'est vrai. Ça va te paraître bizarre, mais je crois que je sais ce que ça fait. Enfin, peut-être pas exactement ce que ça fait, mais se sentir aussi vide, c'est assez normal. Enfin, les gens se sentent aussi comme ça dans le monde d'où je viens. Mais t'aimes toujours tes amis là-haut, n'est-ce pas? Je suis certaine qu'ils t'aiment aussi. Qu'est-ce que ça change? Quand vous n'êtes pas là, qu'est-ce qu'on est? On n'est que des obstacles conçus pour être surmontés, puis oubliés. Tu sais, tu peux être autre chose. Le cirque, c'est là d'où je viens. Enfin, je viens d'ailleurs, à la base. Mais si ça doit être ma maison, ça pourrait être aussi la tienne. Les gens là-bas sont intéressants, c'est déjà ça. Peut-être que tu pourrais toi aussi exister là-bas. Pourquoi tu me remontes le moral? Je comprends pas ce que ça peut t'apporter. Je crois que je veux juste pas que tu te sentes inexistant. À vrai dire, je souhaite ça à personne. Mais je suis même pas une personne. Y aurais-je ma place? Je vois pas pourquoi ce serait moins ta place que la mienne. Et on pourrait être amis. Amis? T'es vraiment un drôle de personnage. J'imagine qu'on peut essayer. Tout ce que je demande, c'est qu'on dise rien aux gars. C'est une bande de joyeux lurons. Et je veux pas les mettre dans le même état que moi. Oui, je peux comprendre. D'ailleurs, comment tu t'appelles? Gummigo. Oh, c'est aussi débile que mon nom à moi. Alors, qu'est-ce que t'avais en tête pour nous sortir d'ici? Je sais pas. On peut peut-être essayer de faire glitcher le camion là-bas. Je sais pas trop comment on pourrait... Le camion là-bas. Je n'ai jamais pensé c'est avoir juste entendu cette phrase. Une idée en l'air comme ça. Si ça marche pas, on peut essayer autre chose. Vas-y, c'est toi l'experte. Pas vraiment, non. Voyons voir ce que ça donne. Maintenant que j'y pense, ça risque de secouer un tout petit peu. Cette aventure tellement décevante. Pourtant, il y avait du potentiel. Mais tu t'attendais à quoi? Ben, tu sais, un grand affrontement final. Bain de sang, mort, chaos, ce genre de choses. Vous êtes sûr qu'ils ont disparu? Ils sont pas juste tombés ou quelque chose comme ça? Je peux pas en être sûr, mais ouais, c'est certain. C'est la première fois que le boss disparaît avec un clown. C'est pas son genre. Eh bien, c'est
Inquiétant. Si les choses tournent au vinaigre, on peut toujours demander à Kane de la retrouver. J'ai surtout peur qu'elle revive une expérience horrible. J'ai l'impression qu'elle est toujours fâchée de ce qui s'est passé hier. Je crois qu'elle ne m'apprécie pas trop. Ce qu'elle vit est difficile à encaisser. C'est rien de personnel. Je me rappelle le temps que toi, tu as pris pour t'adapter. Oh, oui, je... Ça me surprend que tu t'en rappelles. Rappeler quoi? Vous avez un deuxième camion qui vole? Ouais. Non, en fait, non, on n'en a pas. Voilà ma faim. T'as pas pu garder ton cap. Mais c'est quoi ça? Pony, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça va. Je me suis fait un ami. Ah, ça t'était passé où? On s'est fait ganacher. Vous voulez pas savoir? C'est bon pour voir, les gars. Pourquoi le camion des méchants est en double? Il est plein de sirop, lui aussi. Ah oui, ça me surprend pas. Dites, vous pensez que mes gars et moi, on pourrait ramener celui-là au village? Oui, j'imagine, vu qu'il y en a deux. Ça devrait pas poser problème. Ma déception est immense et ma journée est fichue. Tu sais, peut-être qu'il y aura du sang, des morts et de la violence la prochaine fois. Ha ha ha, trop mignon. Au fait, voici Gumigou. Il va retourner au cirque avec nous. Oh, est-ce qu'on a le droit? Sa réalité a quelque peu volé en éclats. Je me suis dit que je lui devais au moins ça, plutôt que le laisser ici. Tu as un grand cœur, Pony. Ramenons ce fichu camion dans ce fichu royaume, comme un phénix. Grâce à vous, Prochevalier, notre royaume va de nouveau prospérer. J'imagine que ce n'était pas de la tarte. Vous n'imaginez même pas. Adieu, Prochevalier. Merci de vous charger d'exécuter ce malfrat. Oui, ce sera fait sans faute. J'ai pas laissé la porte ouverte pour rien, on dirait. Hein? Mais je croyais qu'il était mort. Pourquoi t'as fait ça? Fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, adieu, à la royaume princesse. Bon retour parmi nous, bande de hamburgers endurcis. Alors c'est ça le cirque? Il fait bon vivre, je trouve. Oh, on dirait qu'un de ces petits gars s'est fait la malle. Attends, quoi? Attends, quoi? Je sais que vous adorez ces PNJ, mais si je commence à les confondre avec vous, les humains, qui sait ce qui pourrait arriver? Ok. Ouais, en même temps, tu m'étonnes. Oh, et si j'allais boire un grand verre d'eau? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Pas trop tôt, je pensais qu'il partirait jamais. Je suis sincèrement désolée, Pomni. Au moins, t'as essayé. Tu sais, peut-être qu'on le reverra dans une prochaine aventure. Je sais que Kane réutilise parfois certains PNJ. J'ai tout préparé. Hé, hey, tu veux assister aux funérailles de Kofmo, au moins? On organise toujours une petite cérémonie quand quelqu'un a été corrompu. Celle de Kofmo a dû être un peu décalée avec ton arrivée. C'est le moins qu'on puisse faire pour honorer leur mémoire. Bon sang, j'ai toujours l'impression d'être prête, mais dès l'instant où tu mets la photo, je fonds en larmes. Thank you.
j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, vraiment, c'est trop mignon. J'ai adoré regarder ça. C'était vraiment trop cute. La fin, surtout. Je suis obligée de la revoir. C'était trop mignon. Attends, au funérail de Cosmo. Pas trop tôt. Attends. Tu veux assister au funérail de Cosmo, au moins? Allez, Cosmo. On organise toujours une petite cérémonie quand quelqu'un a été corrompu. Celle de Cosmo a dû être un peu décalée avec ton arrivée. C'est le moins qu'on puisse faire pour honorer leur mémoire. Bon sang, j'ai toujours l'impression d'être prête, mais dès l'instant où tu mets la photo, je fonds en larmes. C'était vraiment trop bien. Surtout la fin, elle est trop belle. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré. C'est logique. Je le dis tout le temps. Donc, n'hésitez pas, du coup, à vous abonner, liker, commenter, partager. Et à vous abonner à la chaîne de Lovan. Mettre les 20 pouces bleus. C'est pas beaucoup, mais bon, vous pouvez le faire. Et je veux que vous mettez aussi une idée de vidéo dans les commentaires qu'on pourrait faire. Donc voilà. Et sur ce, ciao ciao !